Au passage de vitesse, et c'était le filtre air Cayenne qui donne ce petit côté un peu plus charmant à chaque passage de vitesse. Regardez-moi ça, pas mal hein. Il y a une ligne d'échappement, je vais vous montrer ça. Bon, les jantes sont custom aussi hein, évidemment, ce ne sont pas les jantes d'origine. Et on a ici, pareil, un pot qui va... Écoutez-moi ça. Alors, ça sonne, hein? On a un bel intérieur cuir ici. Deux bagnoles, elles sont donc en vente. C'est-à-dire que quand on compare la 2011-2009, évidemment ça c'est la phase suivante, donc c'est plus le même body style. En revanche, celui qui cherche une voiture beaucoup plus discrète, qui fait moins de bruit, qui consomme évidemment moins qu'une GT, puisque c'est un 6 cylindres, bah ici on a un superbe exemple d'une Mustang de 2011, avec un kilométrage d'ailleurs qui est extrêmement faible, il y a de 28 000 km si je ne me trompe. Elle est pareille, elle est en vente, elle est superbe, elle est très bien équipée, elle a une couleur également géniale avec une combinaison intérieur cuir et jantes chrome. Perso, je l'adore, on va justement aller l'essayer, on va voir ça. Bon, c'est déjà beaucoup plus moderne que celle de 2009. Et c'est tellement calme, on n'a même pas besoin de crier. Si c'est pas beau, elle est superbe. Superbe intérieur cuir avec les white stitches. J'adore d'ailleurs la texture. On a ici pareil un bel intérieur. Elle est nickel, j'adore cette voiture. On va aller faire un tour avec. C'est paisible. Et ça fait 305 chevaux. Un V6 305 chevaux. J'ai envie de dire que c'est amplement suffisant pour s'amuser. Et ça reste une américaine. C'est sûr que quand tu n'as pas forcément un gros budget essence parce que tu vas au boulot tous les jours avec une GT 5 litres qui consomme énormément, le V6 c'est une très bonne alternative. C'est pas ce qu'on transporte le plus, mais ça devient aussi populaire parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent profiter d'une belle américaine sans pour autant devoir consommer énormément d'essence. On accélère. Pas mal. Vous avez remarqué, j'ai toujours le sourire quand j'accélère avec une voiture. C'est maladif quoi. C'est-à-dire que j'ai envie d'accélérer et pour autant je roule pas forcément vite. Mais j'adore. Regardez ça là-bas. Si c'est pas magnifique, ouais. On est à côté d'un monument artistique, Hard Rock Café Seminole Hotel, et qui est une guitare géante tout en verre. Alors pour moi qui suis guitariste, croyez-moi, je prends plaisir tous les jours à aller au boulot. Bref, qu'est-ce que je disais? Je m'emporte avec la guitare. Je disais que pour un rendu en France, TTC, homologué, clé sur le contact, prêt à tout simplement immatriculer, elle vous coûte 28 000 euros à vérifier. On mettra les informations dans le listing que vous trouverez dans le lien ci-dessous. Vous savez quoi? On va regarder ce que ça donne vu d'extérieur. Alors, pas mal, hein? Ça donne bien. C'est toujours plus agréable de voir la voiture un peu d'extérieur et de la voir sous différents angles quand on roule avec. Enfin, moi, personnellement, j'adore.
Et c'est aussi un peu le but de ces émissions. Donc on prend notre pied à faire ces vidéos. C'est vrai qu'on a vraiment beaucoup de chance parce qu'on voit énormément de voitures passer chez nous qui sont toutes plus belles les unes que les autres. C'est devenu quelque chose de très banal pour nous de voir des Ferrari, de voir des voitures 1930 ou des muscle cars, etc. Mais pour ceux qui ne les voient pas tous les jours comme nous, eh ben je sais que vous prenez votre pied. Alors merci de continuer à nous regarder, ça fait très plaisir. Et nous, ça nous motive à continuer à faire ce genre de vidéo. Ça y est, on va la parquer. Et elles sont prêtes à être chargées dans les deux containers derrière moi, direction la France.